Hey, 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 salut les rivals, on se retrouve pour ce qui est le grand final de Marvel les Gardiens de la Galaxie. Oui, oui, je vous l'ai dit jusqu'au bout, c'est pour l'avoir au 24 décembre, c'était volontaire. Ça a énervé quelqu'un, je le sais, c'était volontaire aussi, elle se reconnaîtra. Mais du coup, allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, on va enfin à la vraie fin de ce jeu. Let's go, let's go. Temps de chargement time. Ça reprend là, bah parfait, justement. C'est très bien. Bon. Et maintenant ? Je sais pas. On a le ciel pour seule limite. Et ce n'est pas une limite. On pourrait braquer une banque ? On est à la dèche. Waouh ! Je veux pas braquer une banque. C'est illégal. Et... Super marrant. Tu vas corrompre cet enfant. Du calme, Drax. C'était une suggestion. Une idée potentiellement très très lucrative. Eh ben alors, ouais, au passage, il y a de grandes chances qu'on soit en live le 24 décembre ou le 25 décembre avec Tartine très tard le soir. Donc si vous vous emmerdez, venez nous voir sur Twitch. On jouera que à des jeux à la con et on sera complètement déchiré. Ce sera parfait. Hein, au cas où. Alors, Mantis, tu vas faire quoi maintenant que l'univers est en sécurité ? Je sais pas. Je crois que je vais retourner sur la Mantis. Quoique... Il paraît qu'on est bien sur Terre à ce moment de l'année. Oh ! Ou alors je pourrais essayer contre Axia ? Ils ont des jeux d'argent. On devrait pas laisser un peu de temps à contre Axia pour... chasser la promesse ? De toute façon, je les laisse causer, hein, volontairement. Sérieux, mon grand... Ouh ! Oula ! Ouais. Oh, non, t'as vraiment pas l'air bien. Oui, la trousse de secours. Je sais faire les premiers soins. On n'a pas de trousse de secours. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? On en a une de trousse de secours. Le ruban adhésif, ça compte pas. Il a juste besoin d'une limonade. Ne vous tracassez pas pour ma personne. Je suis dans une forme... éblouissante. Oh, je m'en doutais. Waouh! Ah bah ça valait l'attente! C'est quoi ce délire? Le Magus. Oh oui. C'est dans celle-là que le dieu doré est dévoré par le mal et essaie de détruire la galaxie. Et je crois qu'il y parvient. Pourquoi j'entends la punaise dans ma tête, moi? Parce que je suis dans vos têtes à tous. Comme ça, le Magus ne peut pas entendre votre super plan. Quel plan ? Oh bah ça, c'est à vous de le trouver. Lui, moi, et le destin pour toi. Ouais, et on va tous mourir. Ma dernière forme, la nouvelle norme. Et la pierre ? Quand cette chose nous a attaqués, ma mère et moi, elle était terrorisée par la pierre. Oui, j'ai aussi ressenti sa peur de la pierre. Oh ! Oui ! La pierre ancestrale, l'une des six, c'est la seule chose capable de contenir l'âme toute-puissante du Magus. Ok, ok. Ok, donc on doit l'attirer près de nous et lui lancer le caillou magique dessus. Exactement. Pauvre petite miette insignifiante. Ouh, que tu es en train de mijoter ? Rien, rien. Mantis, t'inquiète. Comment on fait pour attirer l'affreux ? Prosternez-vous devant le maître de tout. Que vous faites le mieux, gardien. Non, pas en étant gentil. Je pense qu'elle veut dire en se montrant exaspérant. C'est quelqu'un ça. Peut mettre un dieu en rogne. C'est le mettant ultra vénère. Allez, genoux à terre pour vénérer votre dieu. Car ici, qui mieux que moi ? Voilà, on se fout de sa gueule. Bravo ! Bravo ! Tu l'applaudis, toi. C'est une acclamation ironique. Tu crois qu'il sait que c'est ironique ? Ok, con. Oui ! Applaudissez votre divinité. Non. Tes paroles ne sont que mensonges et vaines promesses. Et personne ne t'aime ! Ouais ! Bouh, t'es...
T'es une majorette. Alors pourquoi ces applaudissements? On se pète la tête, Andouille. Oui, on se fout de ta gueule. Ah, j'ai dit, prosternez-vous. Oh. Oh non. C'est une blague. Ça va être hardcore. Mickey, non. Reste pas là. Fais-moi confiance. Oui. Ah bon? D'accord. Ouais, j'essaye. Oh, mais elle est super puissante maintenant, la Nikki. Tu vois? Je t'avais dit que je m'en occupais. Ouais, je vois ça. Ok, c'était incroyable. Comment tu... Aucune idée. Ce qu'il fait. C'est tout. Tout va bien jusqu'ici, gardien. Ouais. Et vous n'avez pas encore tiré d'affaire. Ouais. Et ensuite... Votre résistance est un crime contre votre nouveau dieu. Ouais, d'accord. Ah ouais, ça. Hop, moi je sais pas combien. Ça vous rend pas un peu triste de voir Warlock comme ça? Voilà, on fait tout. Ces vermines ne s'arrêtent jamais. Bing. La classe. Hop. Voilà, fais les voler un petit peu. C'est stylé, j'aime bien, j'aime beaucoup. Hop. Hop. Voilà. Aïe. Hop. Voilà, faites tout péter les gars. Allez, on fait tout. Tu crois qu'on a peur de ta grosse tronche? Quand même un peu, hein. Il est quand même un peu violent. Wow, c'était pas prévu. Je me suis cassé la gueule. C'est bon. Ok, ça va. Faites tout sauter, Rocket. Ouais, voilà. Il y en a encore? Putain, il y en a beaucoup quand même. Ok, c'est bon. Étape 1, c'est fait. Quelle bravoure fut-il? Pourquoi résister? La pierre! Tu dois utiliser la pierre! Il est toujours trop loin. On dirait qu'il fait exprès de se tenir à l'écart. Ouais, carrément. Quill, dis un truc pour le déconcentrer? Oui. Énerve-le avec tes paroles en l'air. Ouais. Insectes infects qui se débattent. Le titiller? Chara, Beluga, tu fais des rimes. Ça va, on a compris. Comment tu fais pour être encore plus insupportable qu'avant? Hein? Rota, verglas, etc. Vous commencez à m'énerver. Ici. C'est notre spécialité. Combat, format, matelas. Vous dites n'importe quoi. Oui, comme toi. Nous, on dit n'importe quoi? Enfin, tu débites des kilomètres de salade depuis qu'on t'a rencontré, les Tumans. Et en plus, maintenant, tu fais des rimes? Ingrat, inconscient. Je crois que c'est bon, là, il est tout chafouin. Il est pas content. Il est pas content, c'est ce qu'on voulait. Nikki, recommence. Ah, fais attention. T'inquiète, c'est bon. Allez, laisse-moi debout, là. Allez, je veux courir. Cette gamine, comment ça vous plaît? Hop, c'est bon, on y est. Je vous le dis pas assez, alors je vais vous le dire maintenant. Je vous aime, les gars. Ouais, des bisous, tout ça. Tout le monde va bien? Bien joué, petite. Très bien. Ok, je pense que ça marche. Il va nous renvoyer ses gugus. Je vais juste tenir encore un peu. Des mouches empêtrées dans la colle du temps. C'est bien ça, il va nous renvoyer ses gugus. Ces trucs. Faut toujours que ça grouille, là, les insectes. Bam. Bam. Je regarde mes potes faire le travail. Je me mets là et hop. Bam. On liquide tout le monde. Aïe. Hop. On met le bouclier, c'est le moment. Voilà, très bien. Oh, il y a du monde par ici. Hop. Groot, s'il te plaît, merci. Hop. J'ai rien encore. Oula. Il fait péter beaucoup de choses quand même. Hein. Attention. Oh, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Comment allons-nous péter notre
Hop. Arrête de me viser. On va récupérer cette vie-là avant de mourir, parce que mine de rien, on en prend plein la gueule. Ça commence à faire beaucoup de bombes quand même. C'est bon, notre technique commence à marcher. Hop. Récupère de la vie. Hop là, ok. Récupère toute cette vie là, c'est bien. Hop. Ok. Bam. Allez. On y est. Tôt ou tard, tous se prosterneront devant moi. La galaxie entière se prosternera. Et ça a croisé. La Terre fait un truc bizarre. Ça y est, c'est le moment, gardien. Appâte-le, Quill. C'est le seul moyen de l'avoir. Prosternez-vous. J'ai dit à genoux. Ok. Bon, mets-toi bien ça dans le melon qui tient de crâne. On capitule devant personne. Non mais attends, sérieusement. Tu sais qui on est ou quoi? Ouais, mon vieux. On est les gardiens de la galaxie. On a des cartes de visite. Et on préfère mourir que de se prosterner devant toi. Vous osez défier un dieu? Ouais, bon gars. Avez-vous la moindre idée de mal? Ferme! Qu'as-tu dit? Elle a dit que t'étais un gros naze. Wow. Tout à fait. Vos insultes sont une espèce insulte de gendarmette. Utilise la pierre. Oui, je veux bien. Fais ça comment? Ah bah là. Comment tu peux porter une pierre d'arme dans la main comme ça, toi? Hop. Ok, on fait voler le bordel. Y. Ah! Je l'ai raté, là. Semblait être dedans. On recommence, c'est pas grave. On recommence, j'y crois. J'ai appuyé un peu trop vite, il me semble. Là. Allez, Gamora. Ensemble. Et hop. La pauvre pierre d'arme, quoi. B. Hop. Tu peux pas garder une pierre d'arme dans la main? Bah ouais. La pierre va te consumer, Quill. Exactement comme la première fois. Allez, cours. Y. Bam. La pierre va les consumer tous les deux. C'est trop tard pour essayer de te racheter, espèce de tête de mule. Lâche la tête. Non. Qui a libéré cette chose, et je compte bien la renvoyer d'où elle vient. Ah, faut spammer. Allez. Combien de temps faut spammer? Je spamme vraiment très fort là. Allez. C'est bon ou pas? Ça a marché. Il va s'en sortir. Pas vrai, Mantis? Ça va pas finir comme ça, quand même. L'important, c'est qu'il ait réussi. Vous avez tous réussi. Ce n'était pas à lui de se sacrifier. Groot à la rescousse, encore une fois. Oh là là, ce Groot. Top tier, Groot. Oh,
On a été payé. Pas encore, mon pote. Ça veut dire que c'est fini? Genre, fini pour de bon? Le Magus a été maîtrisé pour l'instant. La plus insatiable entité de la galaxie est à nouveau prisonnière de la pierre de l'âme. Il ne reste plus qu'à décider ce qu'on veut en faire. La détruire. Ces deux idées sont très mauvaises. Je s'appelle Groot. Groot dit qu'on devrait combiner les deux idées. La pierre n'est ni une bombe ni une babiole. Et elle n'est pas votre fardeau. Oh, 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 oh! Ce type a failli nous tuer et engloutir la galaxie! J'avoue que c'est moyen, Vous ne pouvez pas maîtriser ce mal. Je l'ai engendré. J'en suis le gardien. Personne ne peut garder cette chose. Mantis, quel est le risque que la galaxie soit à nouveau menacée si on garde la pierre? Très grand. Et si on la confie à Boucle d'Or? Pas si grand. L'enfant a raison. Un jour, peut-être, mon âme pourrait ployer sous le poids de sa puissance. Mais je ne suis pas seul. Juste pour être sûr, c'est quoi le risque que la galaxie elle soit dévorée toute crue si on la vend, la pierre? Il est gigantesque. Ah ouais, c'est clair. Le meilleur moyen de s'assurer que le Magus ne s'évade pas à nouveau, c'est d'y veiller ensemble. Alors, si jamais tu te sens ne serait-ce qu'un peu fiévreux... J'appellerai ton équipe, aussi rocambolesque soit-elle. Je m'y suis attaché. Oh, c'est mignon. Et j'implore votre indulgence pour avoir voulu vous tuer et engloutir la galaxie. Un terrible moment d'égarement. On va dire ça comme ça, ouais. T'inquiète pas. On est désolé d'avoir dit des trucs pas cool sur toi. S'il est vrai qu'un homme doit contrôler sa nature, nul autre que lui-même ne saurait être maître de son humeur. Il parle vraiment tout le temps de cette façon. Malheureusement, ouais. Je veux simplement signifier qu'on est quitte. Ouais, d'accord, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Oh, certainement pas. Oh que si. Alors ? Il a l'air d'accord. Répugnant. Ok, bah maintenant c'est convaincu. Et bah voilà. Vous avez eu la fin pour le 24 décembre. Si c'est pas beau ça. Bon du coup, on va essayer de dire un petit peu ce qu'on pense de ce jeu. Le gameplay est très bon. Il a quelques bugs malheureusement sur les côtés où il n'y a pas de. Où il n'y a pas de vrai sol, les mobs ont tendance à se coincer dedans, il a fallu que je refasse un peu plusieurs fois. L'histoire en elle-même. Étant un fanboy, je peux pas l'accepter parce qu'il n'y a rien qui va par rapport à l'histoire originelle. Donc ça là-dessus, pas bon pour moi, pas bon du tout. Que je suis même un peu déçu de ce côté-là. Mais le jeu en lui-même, par contre, si on parle des graphismes, qu'on parle du gameplay ou du jeu en général en lui-même, il est très bien foutu. Donc, comme je suis un enfoiré, parce que moi je suis un fanboy, et donc l'histoire complètement revisitée, ça me dérange beaucoup, même énormément. On peut pas appeler ça un gardien de la galaxie en faisant ça comme ça. Je vais lui mettre qu'un 14 sur 20. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois. Donc je vous laisse me dire comment vous avez perçu ce jeu. Mais bon, sur ce, on se revoit très bientôt pour un autre let's play. Et je vais laisser passer les crédits. Je vais couper ici en vous demandant de penser à mon petit abonnement, mon petit like, mon petit commentaire. Du coup, je vous dis, je sais pas si la semaine prochaine il y aura d'autres vidéos parce que c'est le moment Noël, Nouvel An, etc. Donc je sais pas si je vais prendre des vidéos ou si je reprends en janvier, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, s'il y a une petite fin bonus, vous la verrez tout à l'heure. Sinon, bah, la vidéo s'arrêtera là. Allez.
Bisous bisous les rivals. Pour faire ses besoins dessus. Elle dormira dans la chambre de Gamora. T'as vu ça où? Oh arrête, t'es une fille. C'est une fille, vous jouerez à la poupée. C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, elle aura pas ma chambre. Fin de la discussion. D'accord, tu devras faire construire une nouvelle chambre et peut-être même une salle de bain et convaincre les autres qu'une nouvelle recrue est une bonne chose. Une recrue de 12 ans. Une recrue qui aura peut-être besoin que tu sois son parent de secours. Attends, arrête, mec. Enfin, tu viens de sauver la galaxie. Deux fois. Alors, de toute évidence, endosser ce nouveau rôle, ça va être absolument, très certainement... Ça va le faire. Mais c'est vrai, quoi. Si tu t'en es sorti avec Racker et le Magus, tu sauras forcément gérer une gosse de 12 ans. Ouais, c'est ça. Un peu de conseils par-ci, un peu de devoirs par-là, deux, trois légumes de temps en temps. Où est-ce que tu veux que je trouve des légumes, moi? À moins que Groot sache faire pousser des légumes. Oui! Oui, ce serait même plutôt intelligent de lui demander ça. Et si tout le monde décide de mettre un peu de bonne volonté pour faire quelques sacrifices... C'est vrai, tu les connais. Ouais, ils sont... Enfin, très franchement... ils ont de grandes qualités. Je veux dire, c'est vrai, Drax est courageux et il a été père. Groot, lui, il est bienveillant et protecteur. Et Rocket saura lui apprendre à se faufiler et Gamora... Oh, Gamora, elle s'y connaît en honneur, en discipline et en truc de fille. Ouais. Alors, du coup, même si tu t'en sors pas tout seul, eh ben, en fait, t'es pas tout seul. Et tu sais quoi? Nikki fait partie du jeu maintenant. Elle rejoint notre famille. Et une famille, ça se soutient en toutes circonstances. Même si on doit improviser un peu chaque jour. Ça va le faire. Peter Quill! On a décidé que l'enfant prendrait ta chambre, et toi le canapé. Décision unanime. Attendez... Quoi? Ok, on en discute. Qu'est-ce que c'est que ces coordonnées? Tout est prêt, donne-nous le signal. Tu peux me rappeler où on va? Acheter des cartes de visite.